Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Vivado. Dans la dernière vidéo, il ne faut pas oublier que je vous ai présenté la carte de développement au niveau matériel. Aujourd'hui, on rentre dans la partie logicielle avec Vivado, où on va créer un nouveau projet, on va faire allumer les LED et on va faire l'intégration logicielle et matérielle pour que tout fonctionne bien. Donc, encore aujourd'hui, ça va être la suite de la première vidéo. N'oubliez pas d'aller voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue encore, pour être sûr que votre carte est bien initialisée. Je mentionne une seconde fois. En fait, le projet que je fais, je le fais avec une certaine carte de développement. Par contre, si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous en procurer une autre ou procurer celle-là, il n'y a pas de problème. Toutes les cartes de développement devraient fonctionner sous Xilinx avec Vivado. Il faut juste seulement regarder la documentation pour être certain que ça va être valide. Je vais tout de suite commencer en créant un nouveau projet qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ça va être simplement un compteur binaire qu'on va pouvoir avoir sur nos LED. Donc, on a 8 LED à notre disposition sur la carte de développement. Donc, on va pouvoir faire simplement un compteur qui est binaire, soit la première LED s'allume, ensuite la seconde, on éteint la première, et etc. Donc, pour faire, vous allez voir en fait le résultat final à la fin. Donc, c'est un projet assez de base, mais ça va nous permettre de voir l'ensemble des fonctionnalités de Vivado, comment l'interface fonctionne et faire une première intégration sur le matériel. Donc, on va l'appeler compteur binaire. Et on va le mettre dans cette ouais, binary counter. OK. RTL. Donc, on va créer des fichiers sources. Donc, moi, je vais travailler en Verilog. Donc, c'est possible de travailler en VHDL, système Verilog, ou etc. Par contre, les plus utilisés, c'est Verilog et VHDL. Je vais travailler en Verilog, je préfère. Mais un n'empêche pas l'autre. La syntaxe est quand même assez similaire si vous voulez traduire d'un à l'autre ou utiliser votre propre, celui que vous préférez. Donc, on va faire le top. Donc, là, ça va être. Donc, ça va être notre fichier principal. On créera d'autres fichiers en temps et lieu. On ne fera pas de contraintes pour l'instant et on va aller sélectionner notre plaque de développement. Donc, comme je vous l'ai dit, en installant Vivado, cette plaque de développement-là, il n'y a pas de licence à avoir, elle est déjà intégrée dans le logiciel Vivado de base. Donc, ça nous évite beaucoup de problématiques. Donc, on crée notre projet. Oui. Okay. On va tout créer par nous-mêmes, donc on va laisser faire ce qu'il nous dit. Donc, comme vous voyez, en fait, dans l'interface générale, je vais faire une simple présentation. Donc, à gauche, c'est vraiment toutes les étapes que ça nous prend pour nous rendre jusque à l'intégration matérielle. Donc, comme vous pouvez voir, on est dans Project Manager, où est-ce qu'on a nos fichiers. Ensuite, on peut faire une intégration IP, que je vous parlais dans une future vidéo, on peut faire des simulations, l'analyse RTL, la synthèse, l'implémentation et finalement on programme sur notre carte de développement. Donc c'est vraiment toutes les étapes à suivre, étape par étape, pour se rendre du logiciel, la programmation à l'intégration matérielle. Donc c'est pas comme quand on programme en C ou dans un microcontrôleur comme j'ai fait dans des précédentes vidéos. La carte de développement FPGA, l'FPGA en soi, ça a une certaine procédure parce que c'est pas un microcontrôleur, il faut prendre ça en compte. Ça se programme pas comme un microcontrôleur, donc il y a plusieurs étapes différentes pour arriver à l'intégration matérielle. On va commencer tout simplement par. Donc, vous avez aussi, ici, c'est le sommaire de ma carte de développement, l'intégration, la synthèse, tout ça, en bref aperçu. Ici, j'ai les codes sources. Donc, comme vous voyez, principalement, ça, c'est mon fichier que j'ai créé en Verilog. Donc, compteur binaire.v pour l'extension Verilog. Il est en gras parce que, et il y a le petit symbole ici parce qu'il est en top. Donc, c'est lui, set as top. Donc, c'est lui mon fichier principal qui est comme au-dessus de tous mes autres fichiers de ma hiérarchie. Et comme vous voyez, il m'a créé déjà une entête qu'on n'a pas besoin. Ça ici, c'est pour la simulation. Donc, un time scale de 1 nanoseconde avec une précision de 1 picoseconde. Et ça, c'est mon module, en fait, de mon fichier ici, compteur binaire. Donc, on peut commencer à programmer.
de maintenant, nous, on va avoir une cloque, on va avoir des LED et on va avoir un bouton reset parce qu'on veut à chaque coup d'horloge, on veut que notre compteur binaire s'incrémente sur les 8 LED. Et si on veut redémarrer, on va mettre un bouton reset. Donc, commençons par programmer notre module. Donc, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, nous, on va avoir dans notre module, on va avoir un input. On va avoir un input que ça va être un fil qui va s'appeler clock. Donc, pardon. Donc, clock. On va avoir un input qui va s'appeler reset. C'est des virgules qu'il faut mettre. Et on va avoir des outputs qui vont être de largeur 7, de 8, pardon, donc de 7 à 0. Ça va être les LED. Donc, ici, on a notre module. Donc, ça, c'est les entrées et sorties de notre module, en fait. Comme ceci. On va faire une séquence always at. Une seconde. Always at positive edge. Pardon. Donc, il faut noter que pour ceux qui n'ont pas fait de vrai Verilog très souvent, ça ici, on a déclaré les inputs et les outputs de notre bloc, de notre fichier compteur. Ici, on a déclaré always positive edge. Ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir un front montant sur ce signal-là qu'on a appelé clock, il va aller dans cette section-là. Donc, en Verilog, c'est important de savoir que c'est pas procédural comme en C ou en n'importe quel autre langage de programmation plus avancé. Le FPGA, ça fonctionne de façon séquentielle. Pas séquentielle, pardon, c'est ça fonctionne tous en même temps. Donc, si je mets une autre ligne de code en dessous, ça se peut que la ligne de code soit exécutée avant celle-là, ce n'est pas nécessairement dans l'ordre. Donc, c'est à tenir en compte lorsqu'on fait de la programmation avec FPGA. Donc, lorsqu'on a un front montant de l'horloge, ce qu'on veut faire, c'est on va se créer une variable, en fait. Nous autres, ça va être un registre. Donc, parce qu'un fil, on ne peut pas mettre de valeur. Par contre, un registre, on peut mettre des valeurs, donc de 0 à 7, qu'on va appeler compteur. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que si on a un front montant de l'horloge, on veut faire c'est compteur point égal à compteur plus 1. Ça, c'est pas la syntaxe. C'est pas, c'est juste égal. Donc, comme ça. Et tout simplement, par contre, il faut noter que dans une séquence always, là, on utilise le même type de programmation qu'en C. Donc là, ça va être procédural. Donc, une instruction après l'autre. Donc, après ça, on peut faire if compteur. Désolé pour le petit inconvénient. Il faut que je vérifie quelque chose. J'ai vérifié et cette variable-là, il faut qu'elle soit beaucoup plus grande en fait parce que c'est un compteur, mais éventuellement quand on va faire clignoter les LED, si on veut pas que ça clignote trop rapidement parce qu'on veut voir quelque chose, il faut que la variable soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Ça se peut même que ce soit beaucoup plus grande que ça aussi. On va voir un peu plus tard. Ça va être à vérifier. Ça ici, mon bloc était correct. Donc, à chaque front montant de l'horloge, on va incrémenter un compteur et lorsque le compteur, on va faire un modulo en fait, donc il va diviser le compteur par une certaine valeur et lorsque ça va être égal à 0, on va faire inverser l'état de la LED. Donc comme vous voyez, ça va être le modulo va être toujours un multiple, donc
50 fois 2, après 100 fois 2, pour être certain que ça compte. Donc, exactement. Donc, on peut copier ce bloc-là 8 fois. Dans le fond, pour l'avoir 8 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va simplement changer la valeur ici pour qu'à chaque fois, ça double. Donc, ce soit un compteur binaire. 2 et 64. Donc, exactement. Et à la fin, parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, au lieu d'écrire à chaque fois sur les LED, on va écrire dans un registre ici. Et ce registre-là, on va l'assigner au LED à la fin. Donc, à la fin de l'exécution de la boucle always, pour qu'on puisse ensuite l'écrire directement sur les LED sur notre plaque de développement. Donc, pour ce qui est du module, c'est ça ici. On peut rajouter un bloc. On peut rajouter notre reset en fait sur. Ça peut être un reset synchrone. Donc si on a un front montant de l'horloge, donc on va pouvoir avoir if reset est égal à 1, par exemple. Un ou 0, il va falloir vérifier avec le schéma si le bouton reset est en pull-up ou en pull-down. Mais comme ça, on fera un reset synchrone, puisque lorsque l'horloge va avoir un front montant, on va vérifier si le reset est à 1 et on va remettre à 0 la valeur du compteur. Donc comme ça nous fait un reset synchrone. Si on voulait un reset asynchrone, il faudrait le mettre à l'extérieur de la boucle Always. Mais dans la plupart des applications FPGA, c'est souvent intéressant d'avoir tous nos signaux de façon synchrone pour être certain que tout est bien synchronisé du début à la fin et qu'on n'a pas de signaux qui sont intermédiaires. Donc, on peut faire ça comme ceci et ensuite, on peut faire une simple simulation. Pour voir, donc on clique sur Simulation, Run Behavioral Simulation et ça va nous permettre de voir un peu l'état des signaux actuels selon le code qu'on vient d'écrire pour voir si on est dans la bonne direction ou non. Donc ça reste une simulation logicielle. Donc comme vous voyez, il va falloir que je mette un signal d'horloge. Ça, je peux mettre ça. Donc Radix, on va mettre ça en signé décimal. On a ici l'état des LED. Output LED, on a les LED. Et le clock, on peut le faire forcer une clock en attendant qu'on n'a pas de clock réel sur notre système. On peut simuler une horloge. On clique sur Play et comme ça nous donne tous les signaux que ça devrait qu'on devrait avoir en temps normal si notre programme s'exécute comme dans la simulation. Donc, comme vous voyez, on aurait LED ici qui s'incrémente 0, 1, 2, 3, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1. Donc, je dirais qu'on a peut-être un petit problème pour l'instant. Pour commencer. Parce que, comme vous voyez, j'ai changé la valeur ici, mais j'ai pas changé la valeur ici. Donc, comme vous voyez, tu vois, la simulation, c'est intéressant pour ça parce que la procédure de synthèse d'implémentation peut être vraiment longue. Donc, une simple simulation peut éviter plusieurs problèmes. Comme vous voyez présentement, j'avais juste oublié, j'avais tout copié, mais j'avais oublié de changer la valeur ici dans le registre. Donc, comme ça va pouvoir, on va pouvoir changer toutes les LED, faire notre compteur binaire. Donc, on enregistre, on recommence la simulation. On met une horloge. Et on roule. Donc, on peut même mettre ça ici aussi en signé décimal. Donc, comme vous voyez, ça fait clairement un compteur. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19. Donc ça fait tout simplement compter. Et si je peux mettre, je peux même mettre la représentation binaire pour que vous puissiez voir aussi. Donc comme c'est ici, on commence du début. Donc on commence à 0, ensuite c'est 1, 2 ici en binaire, on met le dernier bit à 0, 3 en binaire, 4. Donc si on est capable d'afficher ça sur les LED, ça devrait bien fonctionner. Un détail important, c'est que la fréquence d'horloge des circuits FPGA est vraiment très élevée dans les mégahertz, mais même centaines de mégahertz. Je crois que la mienne, c'est 125 ou 300 MHz. Ça serait à vérifier. Donc, nécessairement, il faut faire un diviseur d'horloge. Donc, soit on fait, l'horloge qui est ici, on la divise, ou dans notre cas à nous, on peut juste changer la valeur du modulo qui devrait fonctionner aussi. Si on change la valeur du modulo, il faut prendre en compte aussi que cette valeur-là va être beaucoup, beaucoup plus grande. Donc, on peut faire un ou l'autre. Pas vraiment de différence. Donc, dans mon cas à moi, je vais juste incrémenter ici la valeur pour commencer. Dans une future vidéo, de toute façon, je vais démontrer comment faire un diviseur d'horloge. Donc, on verra cette notion-là un peu plus tard, dans une future vidéo. Donc, juste en changeant ça ici, ça va nous permettre de ralentir la fréquence d'horloge pour qu'on puisse voir. Mais en fait, pas ralentir la fréquence d'horloge comme de ralentir l'effet visuel qu'on va voir de notre compteur binaire. Donc, c'est plus ça qui nous intéresse. Et on va pouvoir tester tout ça. Donc, si reset égale à 1, begin, compteur. OK. Donc, maintenant, quand on est satisfait de notre programme, donc ça, c'est mon programme Verilog pour faire un compteur binaire. Lorsqu'on est satisfait, on peut lancer la synthèse. On peut faire, avant toute chose, comme il faut suivre. La suite ici, il nous suggère de faire l'analyse RTL. Ça va nous permettre en premier lieu de voir de façon schématique notre programme. Donc, après, Vivado prend les lignes de code et il nous met ça visuellement dans un schéma. Ça nous permet de voir si les liens sont corrects. Et ensuite, ça nous permet aussi de mettre les liens physiques entre nos pins, donc l'horloge, le reset, les LED, sur le matériel, donc la plaque de développement. Donc, on veut prendre des bouts de fil. Donc, voici notre schéma, en fait. Donc, on veut prendre horloge reset. Ça, c'est des fils qui vont se connecter à des entrées quelconques. Et aussi, on a les 8 LED ici qui se connectent à une sortie. Donc, dans notre cas, nous, c'est sur les LED. On veut connecter ça sur le matériel. Donc, pour ce faire, on va aller dans I/O port ici. Et on va pouvoir sélectionner, donc, toutes nos périphériques. Donc, clock. Là, c'est là qu'il va être important d'aller voir sur le schéma de la carte de développement pour voir où se connectent nos pins. Donc, on va faire ça tout de suite. On va aller sur la page que je vous ai présentée dans la première vidéo, sur la page de documentation de notre kit d'évaluation. On va se rendre jusqu'en bas sur schéma. On va télécharger tout ça. Donc, ça, c'est le schéma de notre carte à nous. On peut rechercher pour clock. Parce qu'on veut se connecter sur l'horloge de notre carte. Donc, ça va être important de trouver le bon signal. SMA clock, c'est pas ça. C'est pas ça. Si je me rappelle bien, c'est 300 MHz. System clock. Donc, il avait utilisé l'abréviation. Donc, System clock 300 MHz, PN. Un autre détail important, exactement, ça ne fonctionnera pas pour l'instant si on fait ça comme ça, à moins qu'on prenne juste la partie positive de l'horloge. Donc, ce serait K22.
On peut toujours essayer voir si ça marcherait. Donc, clock, on va chercher dans la liste déroulante. Est-ce que K22 est ici? K22. OK, ça devrait marcher. On va prendre juste la partie positive de l'horloge. Donc, le P. Ensuite, le reset, on va vouloir mettre ça sur. Sur le CPU reset. Donc, c'est un bouton justement qui est un bouton poussoir qui est disponible sur la carte. Donc, B9. On peut l'écrire aussi, B9. Comme ceci. Et les LED de 0 à 7, on va tout simplement les écrire aussi. Donc, LED 0, C9, LED 1, D9. E10, E11, F9, F10, G9, G10. Donc, on va tous inscrire ça directement ici. Donc, on a dit C9. On dit D9. Ensuite, E10. F11. OK, donc là, on peut enregistrer ça. Ctrl S. On va donner, donc ça va être fichier contrainte, c'est le fichier qui, l'extension XDC, qui nous permet justement d'enregistrer toute cette information-là reliée, qui relie notre programme au matériel. Donc, qui va prendre les noms qu'on a donnés à nos fils, à nos signaux, et qui va les associer à des pins physiques du FPGA. Donc, le fichier de contrainte va vraiment te permettre ça. Et on peut lui donner un nom générique, en fait, qui peut juste représenter. Là, on a sur un compteur binaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réutiliser ces fichiers-là pour différents projets. Par exemple, là, j'ai déjà défini les LED. C'est ça, c'est les pins. Donc, je pourrais reprendre ça et l'associer à nouveau pour un nouveau projet. Donc, compteur binaire, contrainte. On enregistre ça. Et maintenant, on peut rouler la synthèse. Donc, on fait oui. On peut mettre 4, ça c'est grand. OK. Et la synthèse devrait prendre un petit peu de temps. Donc, je vais vous revenir quand ça va être terminé. Donc, la synthèse est terminée. Ça a pris 2 minutes, comme vous voyez ici. On peut vérifier s'il y a des erreurs. Donc, on peut faire cancel. Ça ici, on enlève les infos. Donc la synthèse, c'est simplement des warnings, donc des avertissements. Ça devrait pas être problématique. On devrait pouvoir faire l'implémentation sans problème. Donc je vais démarrer l'implémentation et encore une fois, je vais vous le dire lorsque ça va être terminé. L'implémentation, c'est un peu plus long que 2 minutes parce que l'implémentation c'est là qu'il prend ce qu'il a fait en synthèse et il essaye de le mettre aux bons endroits dans le FPGA. Donc il essaye de faire l'intégration dans le FPGA au niveau matériel. Donc ça prend plus de temps, un petit peu. Je vous reviens lorsque c'est terminé. Donc l'implémentation a bien été aussi. Comme vous voyez, ça a pris 5 minutes, donc au total environ 7 minutes. Faut noter que le projet est très très petit. Puis ça va dépendre aussi de l'ordinateur que vous avez, mais ça peut prendre beaucoup beaucoup plus de temps, tout dépendant. Dans quelques vidéos, on va faire un projet beaucoup plus gros où ça intègre les connecteurs SFP. Vous allez voir que ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps à faire la synthèse et l'implémentation. Mais tout de même, c'est bien. On n'a pas d'erreur. Ça a bien fonctionné. Juste aller vérifier un coup parti dans les messages. Critical warning. Ça risque de ne pas fonctionner. Par contre, on peut toujours l'essayer. On peut générer le bitstream. Le bitstream, c'est le fichier qu'on va prendre pour programmer dans la carte de développement. Donc, c'est l'équivalent d'un point hexadécimal pour les microcontrôleurs.
Donc, un point HEX. Mais ce qui m'embête, c'est l'avertissement critique ici, qui, selon moi, current exceed the maximum limit of selecting package. Change value. Ça risque d'être dans les contraintes, probablement. Donc, comme vous voyez, le bitstream, la génération du bitstream n'a pas fonctionné à cause probablement de l'erreur, comme je vous ai mentionné, qu'il y avait une erreur une erreur critique ici sur l'implémentation. Donc, je crois avoir une idée sur la raison du pourquoi ça me donne cette erreur-là. Je vais vérifier un peu tout ça et je vais vous revenir dans quelques instants lorsque je vais avoir réparé la problématique. Donc, comme vous voyez, le Bitstream file maintenant a fonctionné. En fait, c'était ce que je croyais, c'était pas grand-chose. Un petit détail, je vais vous montrer c'est quoi le petit détail que j'ai corrigé. C'est dans l'élaboration en fait du design, comme je vous ai dit, j'ai mis toutes les pins associées, mais il fallait mettre élevé CMOS 15 au lieu de élevé CMOS 18 qui était par défaut. Donc par défaut c'était celui-là, faut mettre celui-là. Sinon je crois qu'il y a un trop haut courant ou quelque chose de similaire, c'est pour ça qu'on avait un avertissement. Maintenant ça a fonctionné. On peut aller dans le Hardware Manager pour se connecter à notre carte de développement et faire la programmation du FPGA. Donc, on se connecte, il détecte la carte automatiquement vu qu'on a déjà installé les drivers dans la précédente vidéo. Je vous l'avais déjà montré, donc ces deux drivers-là, il faut les installer. On va programmer notre device, donc extension .bit pour Bitstream, Bitstream File. Et ici, ça va programmer sur notre board de développement. Donc, je peux vous confirmer que on a un résultat. Quand j'appuie, ça fait le reset. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup trop rapide. Va falloir réduire encore. OK, donc j'ai terminé le programme. J'ai fait quelques modifications. Je vais tout vous montrer en détail. Il y avait quelques petites choses que je ne faisais pas correctement, mais grosso modo, le programme fonctionnait. Quelques petits détails que je vais vous montrer comme en détail pour être sûr que ça fonctionne. Donc, on a ici, il faut que j'ai instancié une IP, donc IP. Clocking Wizard. Donc, comme ça, je vais vous montrer plutôt un peu plus tard, mais on met une entrée de 300 MHz à l'entrée et on met les paramètres auto et finalement, on va mettre une fréquence de sortie de 10 MHz. Ça va nous permettre de réduire la fréquence de notre compteur et à 10 MHz, c'est encore rapide. Par contre, ça va nous permettre de mieux visualiser le compteur. Donc, si on va, une fois instancié, il faut l'intégrer dans notre programme Verilog. On fait ça à partir d'ici, on peut trouver l'instance en fait. Quand on va dans instantiation ici, on peut trouver le fichier qui nous permet de faire l'instanciation qu'on a juste à copier-coller dans notre programme. Donc, on fait juste faire copier-coller ce code-là ici. Et faire l'adaptation pour nos périphériques. Bon, je vais juste réduire tout ça pour que ce soit plus clair. Donc ça, c'est l'instanciation de mon module d'horloge, de division d'horloge. En entrée, c'est une entrée d'horloge différentielle, donc pour la positive et la négative. On entre ça ici et la sortie, c'est un système d'horloge standard. Donc, le système d'horloge qu'on va avoir de notre diseur d'horloge, on va l'envoyer dans notre système qu'on avait créé un peu plus tôt. On met ici. Et ça va nous permettre de faire le compteur binaire à chaque étape que sur le front d'horloge. Le système de reset, c'est le même. J'ai simplement ajouté d'éteindre les LED lorsqu'on fait le reset avec le bouton poussoir. Et simplement, le reste, c'est comme on avait fait. Si je m'en vais plutôt
Enregistrer ça. On va plutôt dans la schématique de la synthèse. Donc, la seule différence, c'est l'horloge. Donc, étant donné que c'est une horloge différentielle, il associe automatiquement la broche P avec la broche N pour le package à K22, donc l'horloge à 300 MHz. Donc, une fois que c'est fait, on fait la synthèse de l'implémentation, on génère le Bitstream file, on s'en va dans le Hardware Manager et on programme notre FPGA. Et une fois que c'est fait, vous allez voir. Donc, ici, on a notre compteur binaire qui est sur les 8 LED. Donc, comme vous voyez, ça incrémente assez rapidement. On est à une fréquence de 10 MHz. Si on réduisait la fréquence de 10 MHz, on pourrait voir plus lentement. Soit ça, ou on change les valeurs de nos modulos pour avoir une fréquence plus lente pour notre compteur. On a aussi le bouton poussoir ici qui va nous permettre de faire un reset. Donc, je fais ceci. Donc, comme vous voyez, c'est pas le bon. Donc, je vais pas appuyer sur le bon bouton. Va falloir que je reprogramme en fait un instant. Donc, on a un bouton ici qui fait le reset. Donc, comme vous voyez, quand j'appuie, il se remet à 0. Quand je relâche, il continue à compter. 0, compteur, 0, compteur. Donc, ça nous permet de faire un reset asynchrone de notre compteur. Donc, pour le projet d'aujourd'hui, c'était principalement ça. Donc, je vais refaire défiler le code pour ceux que ça intéresse de refaire le programme. Donc, on a tout ça ici pour l'initialisation. L'instance de notre IP d'horloge que je vais parler un peu plus tôt, un peu plus dans les prochaines vidéos. Et ici, on a notre bloc de programme qui fait le compteur binaire. Et finalement, on assigne notre buffer au LED sur de sortie.